Bonjour, je suis Sarah Rebou et j'ai l'honneur d'interviewer Alexia Pinga, ici présent, qui est championne cadette d'athlétisme. Alors, comment vas-tu, Alexia ? Très bien, et vous ? Bah, très bien. Alors, en quelques mots peux-tu te présenter ? Donc, je m'appelle Alexia, j'ai 13 ans et donc je fais de l'athlétisme et je suis fille unique avec des origines congolaises. Alors, pourquoi as-tu choisi ce sport-là ? Mon papa, étant jeune, faisait de l'athlétisme, mais suite à une blessure, il a arrêté. Donc, je voulais un peu le succéder, donc voilà. Et tu as été directement attirée par les sports de vitesse ? Oui, au début, j'ai commencé à toucher un peu à toutes les épreuves, mais c'est vraiment les sprints qui m'ont plu, donc j'ai continué avec les sprints. Depuis combien de temps tu fais ce sport-là ? Ça fait 4 ans que je fais de l'athlétisme, donc depuis 2014. Et comment tu planifies exactement ton planning entre l'athlétisme et l'école ? Mes entraînements sont à chaque fois à la même heure, donc je sais à l'avance mes devoirs, quand est-ce que je vais les faire, et le week-end, je planifie tout et tout se passe bien. À quel âge as-tu commencé tes compétitions ? J'ai commencé dès le début, donc dès mes 10 ans, j'ai commencé les compétitions. Quelle était ta première sensation lorsque tu as gagné ta première course ? J'étais très fière de moi parce que, il y a quelques années, j'avais pas beaucoup de confiance en moi, donc j'étais très très fière. Et en plus, je courais avec des filles qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, donc très très fière. Y a-t-il un régime alimentaire spécial pour les athlétismes ? Oui, quand même. La semaine de ma compétition, j'essaye de manger plus sainement et de boire beaucoup d'eau parce que franchement, ça aide. Donc voilà. Et si je te dis Jeux Olympiques, tu dis quoi ? C'est mon rêve, j'espère vraiment y arriver, je me donne à fond, je m'entraîne et tout. Et j'espère vraiment y arriver un jour. Et t'espères gagner aux Jeux Olympiques, toi ? Évidemment. Et tu voudrais être la future Nafissa Tou ? Oui, justement, ça rejoint l'autre question. Mais j'aimerais vraiment être championne et que des gens me connaissent, quoi. Tu peux nous donner quelques conseils pour notre génération ? Oui, faut toujours avoir confiance en soi parce que sans confiance, on n'arrive pas à grand-chose. Et avec un peu de volonté, on arrive à atteindre nos objectifs. Que peux-tu nous souhaiter de mieux ? Que des bonnes performances et surtout pas de blessures parce que ça fait mal. Et aussi pour les résultats, c'est pas top. Merci beaucoup, Alexia. Merci à toi.